Pascal Amel, qui est premier ministre, chargé de sécurité, plusieurs policiers, Pascal Amel, premier ministre, qui est parti là, ton premier ministre. Qui sont pensés qui a fait contre Pasteur pour réprimander pour ne pas faire action encore? Au regard de la loi, donc c'est société qui est victime. Comme étant donné la personne qui a été victime de acte amoral parce qu'elle a été posée, donc nous ne connaissons pas s'il peut plainte. Et s'il te porte plainte, le commissaire gouvernement a pris des décisions pour que Pasteur Amel Lafleur, donc il a cité le devant correctionnel et même mettre un monsieur en côté pour machine pas frapper. Vous dites, même qu'il y a Bible, mais tu as dit fidèle pas faire tel bagaille, fidèle pas faire ceci, fidèle pas faire cela. Tu as dit, ou même tu nous chèles l'église. Ou à frapper Mounda petit tout, en même temps, ou à rouler tête. Il faut coucher petit fia. De vous l'accepter comme ça. Est-ce que monsieur, qu'on a mis de coucher petit fia. De vous, monsieur, fait ça publiquement. Et bonjour, bonsoir, ça dépend de l'opéra de la vidéo ça. Et j'ai comme toujours dit, c'est toujours un plaisir pour moi pour me parler ensemble avec vous. Tout ça qui a fait actualité dans le pays d'Haïti. Pour ne pas rater aucune vidéo, c'est profiter d'abonner Kounia la même sous votre couvert ça. Et pas oublier d'activer la cloche notification pour capable recevoir une notification de chaque vidéo que nous postez sur la chaîne. Déjà, nous disons merci à tout le monde qui est déjà abonné. Merci avec vous même qui peut faire ça Kounia la même. Parce que nous sommes intelligents ou pas oublier perdre la prochaine vidéo. Sans parler en pile, sans perdre du temps, on entre dans le détail pour la vidéo aujourd'hui. Oui, parce que nous n'avons pas gagné flagrance encore. Et c'est une stratégie avocat de fait. Nous avons demandé report. Nous avons besoin de tuer flagrance et que c'est avocat moyen de tout. Tu as fait même avec nous-mêmes. Donc nous avons tué flagrance nous-mêmes lorsque nous avons demandé de report de l'invitation. Donc à cette phase, nous n'avons pas arrêté encore. Et pour le TV, nous avons même dévoilé le correctionnel. Et sous la loi du 6 mai, il faut être en état. Donc, il n'est pas en état, on n'est pas capable d'appliquer la loi 6 mai 1927. D'accord? Maintenant, c'est à bon droit pour me tendre, me faire juge Carole dresser une information préliminaire. Et sur la base de cette information préliminaire, m'a dressé un acte citation pour me voir dans 3 jours francs, qui est la scène ordinaire, pour comparer par devant le tribunal correctionnel. Et donc, à cette phase, le référent Pasteur Amel est prévenu déjà. Il est prévenu, je dis bien, il est prévenu par devant le tribunal correctionnel. Et la loi dit, en matière correctionnelle, le prévenu peut se faire représenter par son avocat ou par ses avocats. Mais tout aussi, le juge peut, s'il l'estime nécessaire, est capable d'ordonner comparution personnelle et partie prévenue. Donc maintenant, cette phase, c'est au tribunal de savoir si il ne peut pas ordonner comparution personnelle ou non. Maintenant, j'attends que une citation lui fait avoir des formes pour nous voir aller, pour nous signifier et pour nous répondre dans 5 jours. Ordinaire de faire et reprocher. C'est pas une stratégie pour que le dossier ça lui-même est mouru? Pas une stratégie là-dedans. Écoutez bien, moi-même, mes yeux sont mandés. Je poursuis dans la société et mes formes disent que la société a vérité au niveau du droit, au niveau de la loi. Formes disent la vérité. Donc, si mal arrêté, nous-mêmes encore là, nous avons dit. Et dès matin, dois-je me dire, nous faisons violation de droit, violation de la personne humaine. Nous avons frappé tout dans l'opinion. Donc maintenant, il est libre aujourd'hui, hein, mais il est capable toujours, il est capable de mettre le code encore devant le tribunal correctionnel. Mais nous, on a changé par rapport avec déclaration précédente pour décret. Qui déclaration de fait? Comme dis-moi. Rappelons. Dès ici, il va venir, il va arrêter. Il va venir. Debout. Commissaire, est-ce que le reconnaître ça le fait à pas bon? Qui ça le joue? Monsieur, m'a des excuses publiques. Si m'a des excuses, il reconnaît qu'elle est bon. Il est fait. Donc, il m'a des excuses. Je balance son 5 ans pour ne pas reprendre. Est-ce que c'est le tribunal là ou même qui levait? Non, pas vous-même. Qui a levé une interdiction de départ là? Non, avocat capable de faire une action en référé par le doyen.
Mais moi, je ne vais pas lever le monde déjà. Qui a venu dossier ça? Qui a venu dossier ça? Avenir dossier, vous le saurez lorsque le tribunal a siégé, normalement, pour capable de tendre par soi-même. Alors, vous êtes sous petite ligne, vous ne pouvez pas attendre petite ligne. Je ne peux pas attendre petite ligne parce que je ne peux pas vous le plaindre. Mais le tribunal, juge correctionnel capable, ordonner la comparution de Timounou. Ou pas quoi que dossier ça a fait maintenant, tu vois? Non, pas capable du tout. Le dossier a la consigne, normalement, parce que le dossier n'est pas clos. Vous connaissez ça comme ça? Mais ça fait deux fois. Mais ça fait deux actes. Oui, je suis capable de dire deux fois. Bon, là, après, je ne suis pas commis, je ne vais pas me mettre ça. L'acte là, je te poursuis normalement, et que le dossier est devant la cour d'appel. Comme ça, il y a quelqu'un qui dit, parce qu'il n'y a pas que je dis, c'est parce qu'il y a l'argent. Qui est capable de dire ça? Dis mon nom, et après, il n'y a pas ça, mais c'est le dossier. La presse parlait écoute à télévisé. Donc, sous question passé à Mel Lafleur, alors non pas moi, c'est Maître Jean-Pierre Jeune, avocat. Et sous question passé à Mel Lafleur. Donc, nous avons constaté que Amel Lafleur a posé un acte amoral pour que la société a été condamnée et toutes les organisations des droits humains ont été condamnées, l'organisation féministe, toute société en général a été condamnée à acte amoral. Parce que quand on parle de, quand on dit pasteur, pasteur c'est un berger qui a dirigé un troupeau. On ne peut pas dire que c'est pasteur pour que le comportement que la société a condamné. Donc, pour qu'on fille, on fille dans l'église pour essayer de manier des parties intimes via dans l'espace public et nous te condamnons et nous te disons non, la société n'a pas qu'à accepter nos genre de comportement comme ça. Il faut pas se faire répondre à la question de la justice et nous te disons, comme c'est le gouvernement, nous aussi, mais quelqu'un qui fait un bon travail dans le cadre de ça, il était invité pasteur Amel Lafleur pour venir expliquer la justice de quoi il en est. Donc, on regarde la loi. Donc, ça, c'est une infraction qui qualifiait d'outrage public à la pudeur. Donc, au terme de l'article 283 du Code pénal, nous te condamnons. Donc, je dis là, donc passé à Mel Lafleur, il a invité lui, il ne s'est pas venu dans la convocation que le commissaire gouvernement a été fait. Donc, l'avocat lui a demandé un report et que le report là, c'est jeudi. Passé à Mel Lafleur présent, donc pas devant le commissaire du gouvernement pour venir répondre à la question de la justice sur la question acte amoral, ça comme étant pasteur. Donc, on a dit que jeudi à nous, d'accord, c'est son bon bagage. Il demandait au commissaire gouvernement prendre des mesures drastiques à ce que passé à Mel Lafleur est venu répondre à la question de la justice. C'est que qui lui fait jeudi là, passé à Mel Lafleur bien présent. Donc, au paquet de Port-au-Prince pour répondre à une question commissaire gouvernement. Donc, m'a dit, donc, ça y est, c'est des actes que la société a condamné. Et m'a dit, commissaire gouvernement, prendre des mesures, des dispositions pour que ça ne soit pas répété encore la société. Donc, moi, c'est ça. Donc, question à Mel Lafleur, je pense que son question, société a rejeté et commissaire gouvernement prend des décisions. Et je pense que ça y est, il n'y a pas supposé répéter encore dans l'église. Et l'église, c'est l'espace que tu es mon al prier pour des nègres à moi, parti intime, confie. Je pense que ce n'est pas normal. Et le code pénal, là, il condamne. Donc, je dis à commissaire gouvernement, il prend responsabilité, il relève monsieur, donc le pasteur Amel Lafleur, pour que ça ne soit pas continuer encore la société. Maintenant, en termes de mesures, qui sont pensées qu'il a fait contre le pasteur pour réprimander, pour ne pas faire action encore? Au regard de la loi, donc c'est la société qui est victime. Comme étant donné la personne qui a été victime d'actes amoraux parce qu'elle a été posée, donc nous ne connaissons pas s'il portait plainte. Et s'il te portait plainte, le commissaire gouvernement a pris des décisions pour que, parce que Amel Lafleur, donc il a cité le devant correctionnel et même mettre le monsieur en côté pour la machine pas frapper. Mais comme étant donné nous ne connaissons pas si victime de portait plainte, le commissaire gouvernement a gagné pour le temps de regarder l'article 283 qui condamnait donc infraction ça qui c'est outrage public à la pudeur et laisse ça. Commissaire à prendre des mesures qui des mesures coercitives contre M. Amel Lafleur. Mais si que victime n'a pas été plainte, commissaire gouvernement a gagné pour le citer le correctionnel, parce que c'est la société qui est victime. Parce que le commissaire gouvernement est l'avocat né de la société, elle représente la société. Mais nous, Jean, c'était après. Ça passe là. Mais nous, petit là, va prendre le même. Ah bon, c'est normal. Et nous, par contre, depuis qu'il est tout, petit là, tout, l'a subi des actes et ça y est. Donc, c'est peut-être que petit là, il ne pas comprendre l'ampleur de ce qui passe là. Mais société a condamné. Donc, nous avons souhaité que petit là, comme vous le comprenez, que acte que papa le posé est contre lien, donc son violation, donc c'est pratiquement c'est son acte amoral. Donc, pour le ressaisir, parce que société a condamné. Je connais.
Bon, généralement, nous avons des ministères des cultes et via son directeur général. Il prend une décision que c'est une décision administrative bien sûr donc qui suspend donc et pasteur à 5 ans pour pas au moins faire des activités dans l'église pour pas au moins monter cher. Bon, c'est une bonne chose mais c'est une décision administrative au regard du décret et 29 et du décret et qui régit en la matière donc nous quoi que donc ça c'est une bonne chose. Merci monsieur. Monsieur Léo, c'est Palasso, c'est l'église. De ta fait intervention sur ça les gars. C'est pas la somme c'est le gars. L'homme vient là sur dossier ça. Et malgré c'est pour dossier ça fait passer un collègue commissaire du gouvernement. T'es rappelé monsieur pour venir. Commissaire rappelé, t'es rappelé monsieur déjà. Ou déjà, monsieur pas venu. Mais pour la deuxième fois, moi commissaire pour un bon travail, la poursuite monsieur. Il y a trois types de pasteurs. Il y a pasteur vocationnel, il y a pasteur occasionnel, il y a pasteur professionnel. Pasteur Amel pas un pasteur. Son pasteur vocationnel, il va un pasteur vocationnel, son pasteur mercenaire. Parce que mon petit pasteur n'a pas qu'à faire ça au faire. L'église bon Dieu son bâti sacré lié. L'église bon Dieu son bâti normal lié. Parce que la flèche et parce que merci de ça, bloquer ça. Ou on parle du non pasteur. Bloquer ça, qui fait bagarre dans l'église là. Il parle non discours, il parle non sale cinéma, il parle non gaguer pour la paix de bagarre ça. Je ne suis pas d'accord pour ça, monsieur Fer. Comme il s'est allé, il n'y a pas de fidèle qui tête en bas même avec lui. Les fidèles le possible viennent appuyer lui, ça l'a fait faire. Et moi, je dis la fleur. Moi, je dis la fleur, je dis non, pasteur. Je dis non, pasteur. Monsieur, pas pasteur. Pasteur va arriver là. Quand ça, monsieur, fait là, pasteur va arriver là. Un pasteur vraiment vrai, tu as une vocation. Tu as fait travail. Bon, je connais l'église, bon Dieu. Son bâtiment sacré lié. Chez l'église, son bâtiment doit respecter. Parce que quand tu as loué, bon Dieu, bon de gloire. Ou pas qu'à faire le poste, de bagarre la donne. Parce que je dis là, si parce la flèche, bleu fait ça, il vient faire ça, si on met une cause, vous l'avez écrasé. Mais si Amel, tu as grand pile l'argent, si vous avez respecté, bon Dieu. Même quand tu as tué, même criminel, aussi un bandit, qui a zamé l'homme, il a tué, il a kidnappé, il a fait des actes à l'honnête, de respecter, bon Dieu. Ou dire, même qui a la Bible, tu as dit fidèle, pas faire tel bagaille, fidèle, pas faire ceci, fidèle, pas faire cela. Je dis, ou mettre une chaîne l'église, Ou à frapper le monde à petit tout, en même temps, ou à rouler tête. Ils vont coucher petit fria. Mais vous l'acceptez comme ça. Elles sont bonnes. Monsieur, qu'on a mis de coucher petit fria. De quoi, monsieur, fait ça publiquement. De quoi, on a mis de coucher. Parce que petit fria, je ne peux pas accepter. On ne peut pas faire. Soit on est un gros papa, un petit. On ne peut pas faire le bol bagarre avec petit là, la société. Comme monsieur son bloferier, comme monsieur son mercenaire, il fait ça, il a fait ça longtemps. Bon, l'esprit, bon Dieu, a vie l'île. L'esprit, bon Dieu, mettez publiquement. Elles sont bonnes parce que dès qu'il passe, la cabache de la monsieur. Nous demandons pour le commissaire gouvernement faire visite. Nous demandons pour le commissaire du gouvernement, faut l'arrêter, monsieur. Parce que ça, monsieur, fait, il est condamné. Parce que même bon débat, même l'esprit, mon Dieu, même l'esprit, mon Dieu. Pas de problème, avec ça, monsieur, dit. Parce que le commissaire m'a la pomme dans la marche. Même si le commissaire était chrétien, il va être chrétien, il ne va jamais accepter pour ça. Ça, Zach, va qu'à bon faire là. Mais tu fais de lui à battre après tu vas parler ma connaissance. Ok, merci. Pasteur, comment vous pouvez sacrifier, pasteur? Et voilà, c'est là que nous commençons la vidéo pour aujourd'hui. Merci d'être regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et pas oublier d'abonner à notre channel là, si vous faites ça. Et activer la cloche de notification pour recevoir les notifications de chaque vidéo que nous postons sur la chaîne. Et pas oublier de liker la vidéo pour toujours recommander la vidéo. Merci, nous vous croisons dans la prochaine vidéo. Ciao!